Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 $ ou l'équivalent en gourdes. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 $ ou l'équivalent en gourdes. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 $ ou l'équivalent en gourdes. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'information économique. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 25 novembre 2022 est de 137 gourdes, 78,10 pour 1 $. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 142 gourdes, 36,99 pour 1 $. À la clôture du marché le jeudi 24 novembre 2022, le baril de pétrole était à 77,91 $, soit une baisse de moins 0,04%. Le déficit de la balance commerciale d'Haïti est passé de 3,23 milliards en 2021 à 3,35 milliards de dollars américains en 2022, informe la BRH dans sa dernière note sur la politique monétaire qui rapporte que sur les 11 premiers mois de l'exercice 2022, les exportations ont augmenté de 15,03% pour se porter à 1,17 milliards de dollars américains, tandis que les importations de biens ont augmenté de 6,3%, totalisant 4,5 milliards de dollars américains sur la même période. 201 millions de personnes vivront dans la pauvreté d'ici la fin de cette année, soit 32,1% de la population totale de la région Amérique latine et Caraïbes, avertit jeudi la Commission économique pour l'Amérique latine et Caraïbes, et 82 millions, soit 15,1%, seront dans l'extrême pauvreté. Le Salvador, premier pays ayant adopté le Bitcoin comme monnaie officielle, va faire passer une loi pour pouvoir émettre des obligations d'État adossées au Bitcoin. L'objectif à terme est de lever 1 milliard de dollars via des obligations garanties par des Bitcoins. Cela permettrait de financer en outre le développement de services en lien avec la crypto-monnaie. Fin de la rubrique pour Fininfo. Merci de votre écoute. Bon week-end. Pour Fininfo, une courtoisie. Les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1000 $ ou l'équivalent en gourdes. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofine.com 2811. Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants,
Votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourdes. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Situation, que ça c'est économique là important. Parce que quoi ça c'est. Donc nous l'avons fait et deuxième mois, premier trimestre là. Et déjà il y a une note là qui montre que, hey, bon problème là. Mais problème dans tout, c'est parce que en pile mon adhéro, en pile entreprise, on conseille de zones dans le pays. On conseille de zones dans le pays. On conseille de quartiers dans le pays. Son secteur, il faut jeter un coup d'œil sur les tout, le secteur immobilier en Haïti. Des gens qui vivent dans une série de zones, particulièrement dans zone les Perniers, qui ont fait des investissements dans la plaine. Je connais que je touché la plaie du doigt et une série de gens qui fait mal. Mais il faut que les acteurs politiques, finalement, disent, mes amis, bam, on y a brique. Des gens qui ne peuvent pas l'état réglant, rien pour eux. Ils crasent le business, parce que l'environnement politique, l'environnement des affaires a détérioré. Et qu'on y a même bout de cas là que mon a été construit dans une zone côté liée. Donc, si nous prenons zone métropolitaine de Port-au-Prince, combien de quartiers, je veux dire, là, il y a de monde qui est obligé de quitter cas là. Et si mon a perdu le job, qu'on y a, il a payé bien pour la banque là. Nous avons des banques centrales la dernière fois pour mesure, bah, mon y a un titan. Mais, hey, tant, ça va vous dire qu'on efface d'être là, vous êtes là toujours là. Donc, mais qui ça? Que nous faisons mal à un certain de monde dans le pays, que l'entreprise, li, que l'envie, li, donc qui viennent bailler des difficultés extrêmement importantes. Eh bien, il faut nous poser des problèmes, il faut nous discuter. Moi, quand on est dans le plaisir de football, nous avons fait Brésil, l'autre jour, mon équipe jeune garçon, jeune fille, dans la rue Port-au-Prince, à 10h du matin, avec Diaz, Carnaval, prend la rue. Mais là encore, jeune, ça, il faut nous rappeler. Yo. Que pendant là, il y a couru des Brésil, des Argentine, des la France, ou bien l'Allemagne, peu importe qui que choisir. Ti Dominique en l'école, ti Jamaïque en l'école, ti Cubain en l'école. Donc, nombre de jours de classe qui a perdu, pas qu'on a qualité, non, mais la quantité. Or, quantité n'a pas suffisant, qu'on a fait la qualité. Tout. Parce que l'objectif de développement durable numéro 4 là, demande une qualité de l'éducation. Chauffer dans le Brésil, chauffer dans l'Argentine, non. Quel est le Neymar, quel est le Mbappé, ou encore Messi, pas inquiéto, il n'y a pas de Coupe du Monde, fin mois, il n'y a pas pris de match, ça a parlé de mascotte qui a touché, il a pu bien passé nous en quelque sorte. Et malheureusement, dans le pays, ça, nous connaissons tous les politiciens qui ont utilisé la période de football, la période d'activité, parce que le pays a pas paraître calme, il y a un break en quelque sorte. Mais ça, c'est un bail de très court terme que lié. Mais le break, il y a tout. Je ne vais pas toucher du doigt. Fanatique Brésil, pas vrai? Belgique, Brésil. Si nous avons des facteurs qui ont été provoqués 6-7 juillet, mon Brésil, nous rappelons ça. Bon, c'est aussi mon chauffeur, a fait la marche, pas vrai? Par là, 6-7 juillet, nous avons encore plus de problèmes. Pour l'autre bloc, nous avons un peu mal. Donc, il y a des autorités qui ont besoin de le Brésil, qui étaient plus loin. Bon, si tu as fait prolongation dans la Coupe du Monde, tu n'as pas fini le 6 janvier. Bito. Et c'est pas sérieux lorsque n'a joué sur bagaille émotionnel ça yo alors que des bagailles extrêmement importantes, n'a parlé de vie moun, n'a parlé de jeunes garçons, jeunes filles aujourd'hui là qui par exemple pas qu'à l'école pour aller faire filo pour aller entrer dans la vie, des jeunes garçons pas qu'à finir université qui a perdu une année deux années d'école. Me rappelle l'année 86 année 90 me rappelle qui ça t'est quand passé. Tu as passé dans une ague, tu as des nègres qui sont en train de faire n'importe université sous Timounio.
qu'on y a reparti à l'église à faire pareil, après qu'on y a bien parlé de développement de tout bagaille. C'est cynique, mes amis, lorsque nous prenons politique, nous entrons dans l'éducation. Et nous-mêmes, jeunes garçons, jeunes filles, lorsque nous prenons l'arrière à 10h du matin, au lieu de l'école, c'est là à faire Brésil, à régler, je pense que ce n'est pas le meilleur choix que nous sommes capables de faire. Ça, je vais dire Brésil, pas vrai, Boston, ouais, professeur de l'école. Donc, c'est tout problème, ça, toute discussion, ça, pour nous soulever. Lorsque il y a émotion, il y a plaisir, mais qu'on est que ça, c'est de très court terme. Le moyen, le long terme, jeune garçon avec jeune fille, ils parlent moins compétitif. Donc, lorsque en 2030, vous parlez, croissance économique a fait dans Jamaïque, a fait du côté de la République dominicaine, vous allez penser, ah, pays, ça aussi. Non, c'est ça, on construit au diable pour demain, en quelque sorte. En attendant, comme nous te promettons les jeunes, jusqu'à ce que l'école ouvre, on a essayé de créer une petite structure pour eux, en deux émissions, hein, pour nous réfléchir sur l'intelligence financière. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Finances, gagne un projet pour être capable d'entrer l'éducation financière dans l'école, en attendant que ça arrive. Il y a un homme qui nous parle en pile dans l'émission ça, et qui est capable d'inspirer dans l'émission ça. C'est monsieur le Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre. Et nous remercions encore publiquement Charles Clément de nous décortiquer l'IPSA et qui change la vie dans le pays d'Haïti, la façon pour épargner, la façon pour investir, la façon pour gérer l'argent. Eh bien, nous parlons, je vous dis à la, il y a possibilité, parce que l'IPSA c'est en anglais, dans le temps, c'est difficile pour partager la communauté quand on fait interprétation. Nous parlons tant de qu'on y a là, même du côté de la France, ils prennent l'IPSA, ils traduisent, ils mettent son sous yo pour que expliquer exactement ce petit livre que. Nous avons recommandé, chaque parent a fait petit cadeau, père riche, père pauvre, cette éducation, ce changement de mentalité, comment pour nous mettre en place. En dedans de ça. Salut, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, ce sera la deuxième partie du résumé de « Augmenter votre intelligence financière » de Robert Kiyosaki. Chapitre 5, le QI financier 3 pour gérer votre argent. Dans ce chapitre, il revient sur la notion de bilan financier personnel, déjà abondamment évoqué dans son premier livre « Père riche, père pauvre ». Il explique comment, parti de rien, on peut atteindre une situation de surplus budgétaire, donc richesse, en privilégiant les dépenses permettant de faire l'acquisition d'actifs, actifs qui généreront ensuite des revenus supplémentaires. Leçon numéro 1. Un excédent budgétaire se construit par des dépenses. Le premier conseil qu'il donne concernant la gestion de son argent est de toujours et quoi qu'il arrive se payer en premier, en faisant une priorité l'acquisition d'actifs, épargne, investissement, mais aussi formation, club de sport et dons aux bonnes œuvres. Il est contre le fait de vivre en dessous de ses moyens et préconise au contraire, même en cas de difficulté, de continuer à maintenir son niveau de vie et ses dépenses en actifs et d'utiliser son QI 1 pour gagner davantage d'argent. Leçon numéro 2. La colonne des dépenses est une boule de cristal. On peut facilement prédire l'avenir financier d'un individu en étudiant la nature de ses dépenses. Une personne qui dépense majoritairement son argent dans les actifs, épargne, investissement, formation, coaching, salle de sport, deviendra nécessairement plus riche que celle qui dépense majoritairement son argent dans des biens de consommation ou des passifs, voiture. 3. Leçon numéro 3. Les actifs paient les passifs. L'auteur n'est pas contre l'acquisition de passifs pour se faire plaisir. Cependant, il recommande de ne le faire qu'avec de l'argent généré au préalable par un actif. Par exemple, je souhaite m'acheter cette belle voiture passif qui me coûtera X euros à l'achat plus X euros chaque mois en entretien. J'ai donc besoin de X euros. Je vais donc acquérir un bien locatif actif. Je ne me paierai cette voiture que quand ce nouvel actif me procurera la somme suffisante pour couvrir ses frais. Vu sous cet angle, l'achat de passif nous enrichit car il nous pousse à développer nos QI 1, 3 et 4 et à accroître notre patrimoine d'actifs. Leçon numéro 4. Dépenser pour vous enrichir. Une entreprise en difficulté financière a tendance à réduire ses dépenses alors qu'elle devrait au contraire augmenter ses dépenses en marketing et publicité afin de relancer ses ventes. Un individu en difficulté financière fait de même, alors que pour s'en sortir, il devrait au contraire augmenter ses dépenses en actifs en contractant de bonnes dettes. Faire un crédit pour acheter un actif est une bonne dette, contrairement au fait de faire un crédit pour financer un passif, ce qui est une très mauvaise dette. Chapitre 6. Le QI financier 4 pour faire fructifier votre argent. Dans ce chapitre, il évoque deux notions clés au sujet des investissements.
le contrôle, le levier financier. Robert Kiyosaki repart de son constat initial. Nous sommes entrés dans l'ère du nouveau capitalisme où faire l'acquisition d'actifs en empruntant est financièrement plus intelligent qu'épargner. Le problème, explique-t-il, c'est que les gens n'ayant pas reçu d'éducation financière, ils sont incapables d'investir adéquatement par eux-mêmes et se fient aveuglément aux conseils désuets de l'État et des faux experts en plaçant leur argent sur des fonds de placement diversifiés. Non seulement leurs rendements sont dérisoires et leur argent se déprécie à cause de l'inflation, mais pire, en cas de crash, ils deviennent alors les témoins impuissants de leur absence totale de sécurité financière. C'est pourquoi, là encore, pour sécuriser et faire fructifier son argent, il est indispensable, selon l'auteur, d'améliorer son intelligence financière, et notamment son QI 4, afin de savoir comment exercer un contrôle sur ses investissements et comment utiliser au mieux la puissance du levier financier. Pour expliciter cela, il s'en réfère à nouveau à sa propre expérience, en tant cette fois qu'investisseur immobilier. L'investissement locatif est le meilleur investissement qui soit. Il explique que dans le cadre d'un investissement immobilier locatif, le rendement n'est pas lié, comme en bourse ou comme dans une opération achat-revente, à une spéculation sur la valeur que prendra le bien dans le futur. Il est lié à votre capacité à augmenter vos revenus, les loyers, et à réduire vos charges, mensualité des crédits, travaux, taxes, frais divers. C'est par vos connaissances et vos actions que vous augmentez votre rendement et que vous diminuez vos risques, en minimisant l'impact des fluctuations du marché sur vos investissements. Vous avez donc le contrôle sur votre investissement. L'auteur explique que le contrôle doit s'exercer sur les quatre colonnes de l'état financier de l'investissement. Revenus, dépenses, actifs, passifs. Les revenus. L'investisseur doit trouver un moyen d'obtenir les loyers les plus hauts possibles. Pour cela, il peut par exemple augmenter des loyers qui étaient en dessous du prix du marché, rendre sa propriété attrayante en proposant des services supplémentaires et en apportant des améliorations. Il doit aussi s'assurer d'éviter toute carence locative en sélectionnant avec soin ses locataires et en prenant une assurance loyer impayée. Les dépenses. L'investisseur doit chercher à réduire toutes les dépenses. Il devra acheter sous le prix du marché, négocier les travaux et autres frais, avoir recours à un comptable pour réduire les taxes. Une propriété mal gérée peut être transformée en très bon investissement en améliorant sa gestion. Le passif. L'investisseur doit toujours s'assurer d'avoir le meilleur financement possible et le renégocier régulièrement, taux, mensualité, etc. L'actif. Robert Kiyosaki n'espère pas une hausse du marché pour lui garantir une hausse de la valeur de ses actifs. Ce sont ses compétences et sa capacité à augmenter les loyers, faire baisser les charges et réduire ses mensualités de crédit qui font prendre de la valeur à ses biens. On voit ainsi que le contrôle s'exerce bien à tous les niveaux de l'état financier et que c'est ce contrôle et ce contrôle seulement qui permet d'augmenter le rendement et de diminuer les risques. Un rendement élevé n'est donc pas du tout obligatoirement synonyme de risque élevé. Si vous avez le contrôle et si vous savez l'exercer, vous pouvez cumuler haut rendement et risque faible. C'est pour cette raison, l'importance du contrôle, que Robert Kiyosaki a pour habitude, quand on lui demande si une affaire est un bon investissement, de répondre « je ne sais pas ». Êtes-vous un bon investisseur ? C'est toujours pour cette même raison que Warren Buffett, considéré comme le meilleur investisseur du monde, est également comme l'un des hommes les plus riches du monde, dit ceci « la diversification est une protection contre l'ignorance. L'individu qui sait ce qu'il fait n'a pas besoin de diversifier ses investissements ». L'autre très gros avantage de ce type d'investissement est qu'il offre la possibilité d'utiliser la puissance du levier financier, le crédit, pour s'enrichir plus rapidement et avec l'argent des autres. C'est ce qu'il appelle « faire plus avec moins ». C'est en effet la banque qui va financer l'achat du bien et les locataires qui vont se charger de rembourser la banque, les deux travaillant ainsi de concert à l'accroissement rapide de votre richesse personnelle. L'auteur insiste à nouveau sur la très grande importance de développer son QI 4 avant d'avoir recours au levier financier. En effet, le levier financier ne doit être utilisé que si vous êtes en mesure d'exercer un réel contrôle sur vos investissements, sinon il peut se retourner contre vous avec une rare violence. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki distingue trois types d'investisseurs. Ceux qui investissent pour un gain en capital. Le gain en capital, c'est acheter à un certain prix en espérant revendre plus cher. La bourse ou l'achat-revente en immobilier sont des exemples d'investissements basés sur la spéculation d'un gain en capital, et le hasard y joue un rôle important. Robert Kiyosaki n'est pas favorable à ce type d'investissement pour plusieurs raisons. Le risque est élevé car le contrôle est faible. Le taux d'imposition est élevé. Il ne s'agit pas pour l'auteur de réels investissements, mais de négoces où l'on échange encore son temps contre de l'argent. Quadrant T.
ceux qui investissent pour un flux de trésorerie. Un flux de trésorerie, c'est investir pour s'assurer un revenu, le rendement. L'épargne est un exemple d'investissement basé sur un flux de trésorerie. Le problème avec ce type d'investissement est que le rendement est trop faible au regard de l'inflation pour être réellement intéressant. Par ailleurs, le risque est loin d'être nul, car en cas de crash, l'argent peut ne valoir plus rien. Ceux qui investissent à la fois pour réaliser un gain de capital et un flux de trésorerie. C'est l'exemple de l'investissement immobilier locatif. C'est le meilleur type d'investissement pour plusieurs raisons. On ne subit pas les fluctuations du marché, puisque la valeur de l'actif ne se calcule pas en fonction du marché mais en fonction du rendement, ce qui réduit grandement les risques. On peut exercer un contrôle. On peut recourir à la puissance du levier financier. Robert Kiyosaki donne également à travers ce chapitre quelques conseils pour devenir un bon investisseur. Trouver les bons partenaires, bien s'entourer. Obtenir le bon financement en jouant sur le taux, le report d'échéance, la durée du prêt. Avoir une bonne gestion, égal contrôle. Commencer à petite échelle et progresser lentement. Viser haut. Chapitre 7, le QI financier 5 pour améliorer votre information financière. Dans ce chapitre, l'auteur retrace une autre période de sa vie pendant la guerre du Vietnam cette fois. Il travaillait alors pour l'armée et était entre autres chargé de recueillir et de traiter des renseignements ultra secrets. Cette expérience lui a permis de prendre conscience de l'importance de l'information et surtout de l'importance de savoir la traiter correctement. L'information, quand on sait l'analyser correctement et lui donner un sens, est le plus grand actif qui soit. Nous vivons aujourd'hui dans l'ère de l'information. L'information est synonyme de richesse uniquement sur une opinion. Acheter une maison parce qu'un agent immobilier nous a dit que le quartier prendrait de la valeur en est une autre. La majorité des investisseurs investissent pour un gain en capital. Leur décision s'appuie donc nécessairement uniquement sur des opinions concernant le futur, spéculation. A l'inverse, les investisseurs qui investissent pour s'assurer un flux de trésorerie se fondent principalement sur des faits. Calcul de rendement, niveau de la demande locative, données démographiques, état du deux objectifs. Ils insistent donc sur l'importance pour chacun de se former pour développer le QI qui lui fait le plus défaut à l'heure actuelle. Dans ce chapitre, il revient également sur son absence totale de confiance envers l'État pour assurer la sécurité et la prospérité des citoyens américains. L'intégrité financière est selon lui tout autant essentielle à l'échelle gouvernementale. Malheureusement, comme il l'a déjà dit, l'État ne fait absolument pas preuve d'intégrité financière puisqu'au lieu de trouver des solutions aux problèmes, il augmente l'inflation, les impôts et la dette. Robert Kiyosaki craint un effondrement total des systèmes de retraite et de santé et pense donc que notre salut passera obligatoirement par notre capacité à prendre en charge nous-mêmes via notre éducation financière, notre intégrité financière. Chapitre 9. Développer votre génie financier. Dans ce chapitre, l'auteur explique comment concrètement faire pour développer son intelligence financière. Leçon numéro 1. Développez votre intelligence intrapersonnelle et apprenez à maîtriser votre subconscient. L'auteur s'appuie ici sur la notion d'intelligence multiple, concept de Howard Gardner. Selon Gardner, il existe 7 formes d'intelligence. 1. Linguistique, habileté avec le langage et les langues. 2. Logico-mathématique, capacité à comprendre des concepts logiques et abstraits. 3. Musical, aisance pour comprendre et reproduire le langage musical. 4. Corporel-kinesthésique, dextérité dans l'utilisation de son corps et de ses mouvements. 5. Visuo-spatial, facilité pour se repérer et se déplacer dans l'espace. 6. Interpersonnel, capacité à interagir avec les autres. 7. Intrapersonnel, habilité à contrôler ses émotions et à gérer le risque. Seules les deux premières sont reconnues par le système éducatif traditionnel. Or, Kiyosaki remarque que la plus importante pour développer son génie financier est la 7e, l'intelligence intrapersonnelle, et qu'il convient donc de la développer pour réussir dans le domaine financier. Or, cette forme d'intelligence est reliée à une partie très puissante de notre cerveau, le subconscient. Et si votre subconscient est gouverné par la peur, comme c'est souvent le cas, vous n'agirez jamais car vous préférez éviter tout risque. Il est donc capital, selon l'auteur, de travailler sur ses pensées limitantes, inconscientes, afin de développer son intelligence intrapersonnelle et d'être en mesure d'agir sans être paralysé par son subconscient. Leçon numéro 2. Pour changer votre vie, changez votre environnement et votre perception de vous-même. L'auteur évoque ensuite la gestion des neurones miroirs, ou de l'influence de notre environnement sur nous-mêmes et de nous-mêmes sur notre environnement. Notre cerveau est programmé d'une part pour reproduire ce que nous voyons chez les autres, et d'autre part pour se conformer à l'image qu'ont les autres de nous-mêmes. Partant de ce constat, l'auteur nous incite à nous entourer
de personnes auxquelles nous souhaitons ressembler pour changer votre vie, changer votre environnement, modifier notre perception de nous-mêmes. Si je pense que je suis un perdant, les autres penseront que je suis un perdant. Développer notre esprit critique. Leçon numéro 3. La meilleure façon d'apprendre est la mise en pratique. Dans un autre paragraphe, Robert Kiyosaki évoque la notion d'apprentissage en faisant référence à la pyramide de l'apprentissage. Il explique que la meilleure façon d'apprendre est la mise en pratique, et juste après, la simulation. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a développé le jeu Cash Flow, afin d'apprendre aux gens par la simulation et le jeu à développer leur intelligence financière. Chapitre 10. Développer votre QI financier. Quelques applications pratiques. Ce chapitre fait en fait essentiellement la promotion de ses offres commerciales. Séminaires, formations, séances de coaching, jeux, clubs. Il faut surtout en retenir que c'est en se formant que nous pourrons avancer sur le chemin de l'intégrité financière. Il insiste également à la fin du livre sur l'impact du courage et du passage à l'action dans notre vie. L'entrepreneur, l'investisseur, la personne riche est celui qui ose, celui qui agit. Il évoque enfin l'importance de savoir accepter et accueillir les feedbacks afin de s'adapter au marché et à l'environnement et de progresser. Pour conclure sur augmenter votre intelligence financière. Ce livre m'a ouvert les yeux sur l'importance de posséder des connaissances financières de base pour évoluer dans notre monde capitaliste, mais aussi sur les lacunes de notre système éducatif dans ce domaine, et sur celles de l'État et sur les dangers qui nous guettent. Mais il m'a surtout permis de mieux comprendre comment fonctionne l'argent et à développer en moi un intérêt réel pour ce sujet, ainsi que pour l'investissement, sujet que je considérais pourtant avant comme ennuyeux. La lecture de ce livre m'a permis de réaliser que gérer son argent et investir pouvait être un jeu passionnant, une source d'apprentissage infini et un moyen de développer son intelligence à tous les niveaux. Quels sont les points forts du livre ? Le message principal du livre, qui est très fort et qui répond clairement à une lacune, les explications claires sur le nouveau fonctionnement de l'argent, la vision non conventionnelle d'envisager la gestion de l'argent, la capacité à vulgariser et à rendre attractif un sujet à la base complexe et ennuyeux. Les points faibles, maintenant. Ne délivre peut-être pas de réelles méthodes claires pour développer son intelligence financière. L'écriture est un petit peu décousue. Ça manque un petit peu de structure. Il est assez répétitif. Certains passages de sa propre expérience sont un petit peu longs. Et les références concernent surtout le système américain. Voilà, j'espère que ce petit résumé vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain résumé. Chers amis, nous sommes tendés là avec un pile attention. Professeur, tout va vrai, et directeur de l'école, responsable d'éducation. Son livre n'a pas utilisé, depuis 2000. Parce que l'émission, ça investir par rendez-vous économique, il y a plus que à peu près 20 ans déjà. Hein. Et je me dis, non, de toujours utiliser père riche, père pauvre comme modèle pour me dire, attention, à l'école, oui, c'est bien. Et c'est pas moi qui me dis non. Les psychologues qui ont coûté nous là beaucoup de Puerto Rico, et bien, les différentes formes d'intelligence, nous 7. Alors, c'est deux seulement utilisés. Le livre n'a pas écrit pour Haïti, hein, pour nous souligner ça. Ton livre qui est écrit, et genre que mon qui t'a interprété là, et pour les États-Unis en particulier. Donc, nous, un pays qui, ça c'est pire riche, là, mon, qui faiblesse, qui gagne l'éducation. Donc, il montre qui ça peut faire, qui méthodologie, comment on peut aller. Donc, nous-mêmes, tout, nous avons pile pour nous apprendre. Et ça, nous te promettons. Les jeunes qui, je dis, à pas prendre l'école, pour le samedi, venir là, prendre quelques formations et comment pour positionner pendant la semaine. Il faut travailler pendant la semaine parce que le volume d'informations que nous mettons là, il est supposé à le fouiller. Ça. Pas simplement entrer l'argent dans la poche, mais c'est comment pour quimber l'argent et comment pour faire différencier, pour connaître qui est revenu, qui est dépense, qui est actif, qui est passif. Et le livre là. Le problème que tu as posé tout à l'heure, une série de quartiers, que ce soit la plaine, que ce soit Pernier, Tabar, toute zone ça, qui prend un gros choc, prend Matissan, toute zone qui s'en sert eux-mêmes, il y a des gens qui étaient investis vieux là-dedans, et qui étaient prêts l'argent, qui étaient prêtés comme le travail, à payer la banque, et sont actifs. Donc, on voit que l'environnement n'est pas bon tout, qui a un impact négatif qui a gagné sur l'actif là.
Donc, nous voyons qu'il y a des gens qui trouvent une situation extrêmement difficile. Donc, faire l'argent, c'est une, mais gérer l'argent, c'est notre bagage que lié. Et si tout le monde a Warren Buffett, donc, l'infinité de nos aïeux, aller sur YouTube, aller sur Facebook, aller dans Google, à faire recherche, nous, parce que l'éducation, c'est comme ça que lié. Et, Pacifio qui s'arroyait, automobile là, comment vous présentez-le? Des jeunes garçons, jeunes filles qui viennent au travail, après automatiquement, ils finissent le travail là, ils commencent à foncer de dépenses, et dépenses, ça, c'est des biens de consommation. Actifs là, pas grandi en quelque sorte. Donc, faut gagner, entrer et sortir, ou revenir à dépenses, mais faut faire actif et passif ou tout. Quand on parle investi l'argent, le mot investissement en quelque sorte. Qu'une bonne dette, qu'une mauvaise dette. Ça n'a dit ça longtemps ici, à mauvaise dette là, son machine qu'on a acheté, après, on va faire l'autre bagarre avec elle, c'est à l'anti-activité pas, et il y a des gens qui ont des machines chaque mois que l'utiliser, donc son passif ça représente. Quand elle a des bas, ça ne fait un pile déjà ici, on va habiter long caille parce qu'on ne peut pas payer quand là, mais gardez qu'on ne soit pas payé, mais qui dépense qu'on fait dans quand là, quand là, il y a des dépenses par là dans tout. Donc ça a entré dans un type de passif parce que parle d'investissement locatif en quelque sorte. Donc il y a des gens. Aujourd'hui, à là, qui te met un bloc appartement dans une zone, après qu'on y a une zone gâtée. Donc, pour imaginer, actif ça, si colon environnement, côté que politicien, quel se pouvoir, ou bien dans l'opposition, pas garantir ça, la sécurité, eh bien, qui impact négatif, ça cap gain. Conseil intellectuel, là, faut renforcer, mes amis, l'intégrité financière et l'idée que sous track ça, gouvernement particulièrement. Donc, le gouvernement a fait des points, c'est mauvais des points que lié. Et qu'on y a pour le financer à partir de dettes. Et bien qu'on y a pour le bon inflation, qui pour le bon dépréciation monnaie. Donc, mais pour qui ça nous même tout, faut impliquer. C'est pas un dit ça, c'est pas un gouvernement qui ne peut pas. Et bien nous, qui ça, les gouvernements, pendant les 30 dernières années, la gagne aujourd'hui, là, en d'un pays, son manque d'implication, c'est des mauvais choix. Et nous avons checké, bah, dit certain, non? Presque tout le gouvernement passé, de 86 à nos jours, sous track ça. Et budget, mais qui est important ce que le gain et tout. Parce que mauvaise dépense qu'a fait, qui aborde des dettes extrêmement importantes, je vous dis, à un budget qui reconduit là, à le gars des services de la dette là. Plus que 30 milliards de gouttes. Dette là, vous dépensez plus comme le service de la dette que le ministère de l'Éducation nationale, que le ministère de la Santé. Vous comprenez ce que ça veut dire. N'en parlons pas d'infrastructure. Le service de la dette a dépassé tout financement trésor public là. Donc, mais ça que nous sommes capables de dire ça, ce dit là, donc nous sommes roulés pour jeunes, même quoi grand dette que tu as supposé pour un petit page là-dedans, il y a un pile cas regret de mauvaises décisions que tu prends. On propose à nous donner quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com.
2811 91 91 ou 2811 92 92. Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com. 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sur le magazine financier investi, où émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4h, que nous reprenons le dimanche matin à 9h la radio et le lundi soir à 9h30. Mais l'émission sera disponible également sur YouTube pour Fin TV. Il est disponible tout le temps lui-même. Vous pouvez regarder l'Elidodou ou retourner sur lui. Et je crois que Tianal, nous avons fait là, nous obtenons des reportages là, très intéressants. Et je me dis, ce n'est pas simplement pour les jeunes. Tant que vous avez un concept, ça au plus bonheur, vocabulaire, ça fait troisième que nous faisons pour vous là, monsieur Gounia a commencé à mieux comprendre qui ça coûte venir avec dépenses, qui ça que actif avec passif, pour regarder le bilan, comment vous faites état financier. Concept ça, en tant qu'on est au plus bien, plus bonheur, eh bien, vous pouvez utiliser le levier financier à plus bien, vous êtes capable de gagner, vous pouvez gagner intégrité financière. Pourquoi peut faire l'argent? L'argent n'est pas rien qui est mal là-dedans. C'est pourquoi contrôler l'argent pour vivre bien. L'argent, ce n'est pas finalité, c'est moyen qui peut permettre d'atteindre finalité. Nous parlons de l'entrée dans l'aspect intégrité financière. Là. Nous lançons cette émission sur. Ça t'a capable de brûler LinkedIn parce qu'on est un grand pile d'étudiants qui a suivi à partir de LinkedIn. Nous lançons sur Twitter également. Bien, on est. Et pour n'en parler aspect politique, parce que le dossier aujourd'hui, c'est les dernières sanctions que vous prenez sur une série d'autorités haïtiennes, que ça que ce pouvoir et que ça que passe au pouvoir, et qui impact ça peut gagner sur la notion risque pour le pays d'Haïti, et particulièrement, tu es capable de dire risque aspect intégrité, qui peut garder risque de relation. Et nous rappelons que récemment, nous avons fait une émission, nous avons utilisé notation financière dans le pays République du Congo. Nous avons une série de facteurs que nous prenons en considération. Et les amis, nous, et qui du côté des États-Unis, Lawrence Zuhl, a ajouté pour nous, puisque M. l'aspect finance tout, M. fait investissement, le risque que nous représentons, un risque extrêmement important. Parce que le débat est tangible ou qu'à toucher, ou pas qu'à toucher. Donc, ou capable de venir, ou de pouvoir investir dans le pays, ou avec l'infrastructure pays à gagner, ou garder les ressources humaines pays. Des bagages qui sont plus ou moins tangibles, mais qui sont tangibles, à savoir réputation pays.
Est-ce qu'on a une réputation de mettre l'argent? Est-ce qu'on a une réputation que bah, on bien gérer la carte? Est-ce qu'on a un audit externe? Est-ce qu'on a une transparence? Alors, l'un là qui a ça sur YouTube, ou pas sur YouTube, non, sur Twitter. Bon, on connaît mon gars réagir, gen gata dou, ouais, est-ce que c'est qu'on y a ou est-ce si, est-ce qu'on y a ou cela? On connaît après-midi à la gade moun qui vient écouter dans l'émission, pas habitué parce que yo ouais titre là, yo quand on pense ah, nous allons lever un scandale là, nous allons attaquer moun, nous allons changer. Non. Si c'est pour ça, nous mettons tout fermé parce qu'il va s'allier. Et va s'interpréter, c'est ça que je quitte suspense pour nous. Mon n'a pas même retenu l'émission, non? Il a commencé à abdou, mais ça a été fait. Vous avez mon dernier lac fait ce digne qu'on y a là, faut te mettre un parti droit là-dedans. Faut te parler avocat. Que les mon n'a pas parlé la radio, les vient poser ou. Monsieur, internet là, libre, monsieur. Il n'est pas parlé ça, libre, digne. Il a fait émission même genre sur YouTube, oui. Mais c'est pas ça. Je peut-être une très mauvaise surprise pour nous. Surprise là, c'est que c'est pas politique, il ne vient pas aller ancien premier ministre mal, il ne vient pas aller président mal. Et pas ça lié. C'est pour nous montrer que jeune comporté dans un pays qui impact ça gagne sur vie nous, qui impact ça gagne sur investissement, particulièrement investissement direct étranger. Pour nous faire ça, nous inviter monsieur Franz Duval. Alors c'est non Franz Duval, lui on est ça toi pas les politiques, soit éditorial politique, vous quand comprendre que monsieur Bin parler mal. Franz Duval nous salue, merci pour répondre à l'invitation. Moi je suis que émission a passé plus bien. À partir d'un bail qui vivait au 2 heures dans de ça, pas même 2 heures, temps, quelques minutes de ça, parce que si c'est pas de ça, vous avez fait Guipi Moxis, vous avez éliminé le mondial là, comment est-ce, frère? Non, là, nous, là, comme on fait toute émission sur matériel, mais bon, soit vous sortez invité, même pas un problème, je suis très content là, salut tous les téléspectateurs, tout le monde qui a suivi nous, tout auditeur, auditrice, tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, tout le monde qui a écouté, ou bien qui a bien pour écouter. Franz, en fait, je me dis, ça que vous savez, on a battu le titre émission, hein, c'est pas ça exactement que m'intéressait développer avant là. Et j'aime d'abdou la notation financière au pays, une bonne variable pour en considération et une variable intangible qui est les réputations zone. Comment pays a comporté le grand terme qui s'est utilisé là, votre côté de avant et pour vous parler d'émission avant là, l'intégrité financière qui entre tout là. Un pays en quelque sorte. Mesure ça prend la France. D'ailleurs, font parler de eux-mêmes. Quel impact nous pensez pour le gagner sous pays à en termes d'investissement direct étranger? Mais parlez de mesures, comment on analyse nous-mêmes comme éditorialiste qui vit ça au jour le jour. Alors d'abord, moi, je me fais pour remonter dans le passé. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a des sanctions contre des autorités haïtiennes, contre des Haïtiens. Et première fois que ça arrive, nous, c'est 93-94. Nous sommes en plein coup d'État, nous sommes en période d'embargo, l'ONU prend une résolution pour demander pour la démocratie retourner en Haïti, et les États-Unis sortent en liste, pas ici, pas tout de suite, mais revenons après, une très grande liste de toute grande famille qui a financé M. Militaire à l'époque, et liste à la fois coupé visage et mettait des restrictions sur commun. À l'époque, 94, pas de réseaux sociaux, pas de internet, pas de tout. On a dit faciliter ça pour nous au courant presque automatiquement de nouvelles de ce genre. Mais les États-Unis, ils font l'île, ils ne font pas faire la cachette. Ils font l'île, ils mettent l'on côté et soit chercher information, apprendre information. Et de fait, on a une liste qui est circulée, visa qui est coupée, monde qui a des difficultés. La majorité de monde s'est retourné dans le bien, retourné dans le visa, retourné dans toute la capacité. La démocratie a retourné effectivement, les a suspendu. Supporter le régime militaire et les deux rejoignent après les conférences de Miami ont entente côté secteur privé a rejoint en entente avec Jean-Bertrand Aristide à la veille du retour de Jean-Bertrand Aristide. Nous passons période de sanctions. Deuxième fois, on parle de sanctions en ce qui concerne Haïti, c'est dans l'époque élection 2010-2011. Décembre 2010 pour jusqu'à l'élection président Martelly et l'ONU était là et Nations Unies. États-Unis, pas de liste de sanctions officiellement, mais il y a une rumeur de sanctions. Et René Préval a témoigné que vous voulez mettre le nom avion parce que vous êtes président d'Haïti. Et une dame qui a dit à l'époque, qui a menacé Madame Ni, famille Madame Ni, lui-même, tout le monde qui était autour de Jules Destin pour couper le visage parce que vous êtes sorti dans la parole course électorale. Nous n'avons jamais une liste officielle de qui visa a été coupé à l'époque, mais qui a souhaité mettre sous sanction à l'époque. Mais à l'époque, nous avons presque dit menace sanction de marché, parce que Jules Célestin ne vient pas dans le deuxième tour,
CEPA vient changer le résultat de l'élection et nous avons une question ça finit. Michel Martelly est le président. C'est la deuxième fois qu'on parle de sanctions, de couper visa en Haïti. Troisième fois, nous avons dit grande période là, c'est ça qu'on a vu aujourd'hui à là. Côté que, suite aux résolutions des Nations Unies, encore une fois, parce que plan toujours une base légale dans cette affaire. L'elle pas fait clair, comme pas une base légale, il pas fait rien menacé. Mais là, encore une fois, une base légale, une résolution du Conseil de sécurité qui dit que tout le monde qui a financé gang, tout le monde qui a supporté gang, il faut qu'il y ait une sanction. Pays où il y a des libertés, même j'ai eu un visa, il y a retiré un visa. C'est acté dans la loi américaine, dans la loi canadienne, dans la loi de tout pays. Même j'ai un bon visa qui sont courtoisés, il y a retiré un visa. Mais en ce qui concerne la politique haïtienne, le retrait de visa fait partie de cette nouvelle sanction. Et nous, les nouvelles, ils ont commencé à tomber, que les ministres qui ont retiré visa, que les hommes politiques qui ont retiré visa, les États-Unis n'ont pas jamais confirmé, pas jamais une liste qui a circulé, mais les concernés se connaissent. Et à la fin, le gouvernement Ariel Henry a été obligé de faire un remaniement parce que les ministres qui étaient frappés par le retrait de visa. L'autre monde qui a un visa qui a retiré, qui a annulé, il n'y a pas dit rien, les États-Unis n'ont pas dit rien, mais chaque connaît, rat connaît. Parce que son pression liée, son instrument lié, tant que tout l'autre instrument qui est en politique, mais retrait de visa. Deuxième étape là, c'est le Canada prend une série de sanctions, même j'ai avec les États-Unis, chaque monde fait liste par eux. Il y a des chefs de gang qui concernés, il y a des élus qui concernés, il y a des anciens élus qui concernés. Et dernière liste qui sortit officiellement que le Canada mettait dehors, c'était dimanche dernier, pendant son sommet francophonie, a fait que Justin Trudeau était en Tunisie, l'annoncer que l'ancien président haïtien, deux anciens premiers ministres, que ils mettaient sous liste sanction. Quelques minutes après, liste a divulgué, c'était le président Michel Martelly, c'était et ancien premier ministre Laurent Lamothe, c'est ancien premier ministre Jean Rissé. Qui s'est motivé concrètement que Mounsa est sous liste? Pour le moment, on ne sait pas. Quelle est la nature exacte des accusations? Pour le moment, on ne sait pas. Tout simplement, il fait référence à la résolution des Nations Unies qui parlait de Mounsa qui a financé la gang, Mounsa qui a la corruption, Mounsa qui a supporté la violence en Haïti. Mais Mounsa qui a suivi. Nous avons dit l'évolution des affaires politiques ici depuis quelques temps. On est que quelque part, son sanction, son pression, que la communauté internationale a actionné contre les gens qui ne peuvent pas supporter la paix en Haïti, qui ne peuvent pas dire pas d'accord avec la guerre en Haïti, et qui ont même tout pas aidé à ce que les forces multinationales armées déployées en Haïti. C'est des acteurs politiques qui ont estimé qu'ils entravaient. Trois solutions qui sont sous table pour Haïti depuis septembre. Nous avons des solutions, nous avons qui est-ce qui a des solutions, et puis, comme le Conseil national a fait addition, qui est-ce qui a supporté, qui est-ce qui va supporter, et puis lui-même, jeudi à l'actionné des sanctions. Samedi, là, sur moi, l'ambassadeur, là, non, ce n'est pas ça. C'est loi pays, nous n'a pas appliqué, ce n'est pas politique, et son bail très juridique. Même, qu'est-ce qu'on a parlé, maman, nous connaît que, dans le niveau ça, juridique là, des fois, il est au service de politique là, et politique là, il est au service de la diplomatie. D'accord, mais la diplomatie, des fois, au service de politique pour atteindre une série de buts que le pays a besoin d'atteindre. C'est important qu'on fait là pour nous, et professeur Leslie Maniga, qu'on est son historien, M.T., et M.T. explique l'importance de l'histoire. Et au point échantillon là, bon, histoire 30 ans, c'est rien. Mais 30 ans, c'est une période qui est capable d'exprimer une série de bagailles. Parce que ça qui n'est pas intéressé à non monde qui l'a aujourd'hui, il y a des potions, ou rapport de 90, ou rapport de deuxième, ou en troisième, qui voulait dire que ça vient tout nos tendances. Parce que ça n'a pas cherché vraiment, c'est pour nous garder aspect réputation. Donc, c'est trois groupes différents de personnes, mais nous prenons que lui représente une théorie du côté de Mounsa qui a pris sanction. Et il n'y a pas de section même parce que si les États-Unis ont un compte avec la Chine, est-ce que le bras dit chinois ou que mon visa ou si les États-Unis ont un compte avec un pays européen, on a un compte avec eux-mêmes. Est-ce que c'est ça que négocier? Donc, comment vraiment nous mettre nos situations où non seulement nous toujours une position pour que
nous avons un compte à blanc dans la négociation que nous avons fait. Et en plus, pour moi, son bail qui est assez bas, comme ça, pour c'est on a fait des visas pour déterminer l'intérêt au monde. Donc, je me dis, on retire non moun yo, on garde posture, et ça répété, et qui impact négatif ça a gagné sur l'investissement direct étranger, parce que même si je m'investis dans un pays, je vais garder ensemble de risques, je vais garder des risques politiques, je vais des risques de réputation, mais si moi, ça en 30 ans privé, moi, ça me dit, moi, je vais mettre là dans le pays ça, parce que je me connais, tu as les fonds mauvaises manœuvres, à pour t'en dire, pour le couper visa, et qu'on y a pas ça pour le saccager pays. Ça, ça dure. Bon, d'abord, ça, dis-moi, Fondi, c'est pas seul Haïti qui a subi un modèle politique ça. Couper visa, menacer couper visa, bloquer comme Mounio, c'est pas seulement sur Haïti ou appliqué. Là, actuellement, suite à la guerre en Ukraine, les États-Unis appliquent sur la Russie, sur un bon monde qui a la Russie, que c'est oligarque, que c'est monde qui a un poste politique, que c'est monde qui a un poste militaire en Russie, et la Russie, tout appliqué sur les États-Unis. Une bonne personnalité aux États-Unis, là aussi bloqué visa, il dit nous pas qu'entrer la caméra. L'Union européenne fait même bagarre là tout, il y a des listes toute journée qui circulent entre autorités en paquet de pays, parce que ça fait partie, nous avons dit, de panoplie instruments qui sont à la disposition et relations internationales. C'est une qui peut-être moins fait mal en termes physiques, mais en même temps, tout en termes de réputation, en termes de mouvement, en termes de liberté qu'on gagne, il frappe fort. Il frappe fort d'autant plus que souvent, parmi les gens qui sanctionnent, il y a qui gagne bien dans le pays concerné. Parce que je dis à la, les gens qui ont un code, ils ne peuvent pas faire. Je vous explique ça tout à l'heure, oui, ils ont diversifié. Et ils ne peuvent pas écrire dans diversifié, c'est qu'ils ne peuvent pas mettre tout investissement dans un seul pays. Et souvent, ils mettent investissement dans le pays plus proche. Dans le pays Haïti, le pays plus proche de c'est la République Dominicaine. C'est les États-Unis, c'est Canada, soit le plus loin, c'est la France. Bon, Haïtiens investis, achetez caille, voyez tout le monde l'école, voyez madame malhérité dans le pays. En face, diplomate, je compte ça, parce que c'est eux qui ont visa, ils ont investissement, ils ont fait mes yeux jusqu'à présent sur une série de bagailles, mais ils ont courant. En termes de réputation pays, aspect qui peut être soulevé, parce que pour le moment, d'accord, c'est une application graduelle de ça qu'a fait là. C'est pour une application massive qu'a fait. Mais automatiquement, il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de corps qui a transité. Il n'y a pas de compte qui a bloqué. Tout le système financier haïtien a frappé. Mm-hmm. Parce qu'il y a une application, il faut qu'on compte client. Mm-hmm. Mais si je dis à la conseil de clients, c'est de gros clients qui frappent par des sanctions parce qu'ils dit qu'il y a une corruption. Avec des preuves, ou sans preuves, parce que pour le moment, ce n'est pas devant le tribunal noué, mais pour qu'on ait présentation de preuves. Mais le simple fait que dit que client, ça, il ne frappe pas des sanctions parce que le travail ne passe pas ça, dans le pays où, eh bien, le système financier, lui-même, qui a retrouvé le matin, à l'index, même gens avec personnalité, ça y est. Parce que le système financier permet que le monde ça fait des transactions. Et quand on va aux États-Unis, qui vous utilisez le dollar pour faire une transaction, les États-Unis, qui viennent poursuivre vous. Le simple fait qu'on utilise les devises là, on va penser que c'est aux États-Unis, non qu'on utilise ni vers ni contre les États-Unis, non. Le fait qu'on utilise les devises américaines qui se complient, que le disait qui est mettre les, eh bien, les mêmes comme ça, il faut le protéger. Si on a qui font bail qui passe à servir avec devises dollars, ils te font un chèque pour lui sur l'étranger, ils te font un virement pour lui, ils te font un transfert pour lui, les États-Unis, s'ils décident de poursuivre, ils le poursuivent. Il y a une provision légale pour ça. Et là, ça vient de mettre, d'accord, intégrité, réputation, un pays d'un quoi Haïti en question. Alors, France. Sous un sujet nouveau monde qui est politique, mais en même temps qui est plus que politique. C'est ça, France. Je vais attirer l'attention sur ce qu'on dit vraiment. Ce n'est pas ce petit système bancaire haïtien qui fait ça. Parce que quand on dit banque européenne, soit fait transaction avec l'Iran, il y a menace de sanctions. Oui. Donc, ça très tout important, ça se souligne. Alors, comme son player mondial. Les mêmes lèvres prennent loi, pas prennent loi pour résoudre un problème ponctuel contre Franz Duval ou contre Christian Farrell. Les prennent loi en attendant que le cas appliqué sur n'importe qui est-ce qui est sur la terre. Mais pour continuer sur la question de sanction, en 1994, un matin, nous avons retrouvé tout droit, nous avons joué un visa, nous avons débloqué. Maintenant, nous vivons là, jeudi, ou samedi. États-Unis fait que les chevaux autorisent pour commencer à faire business avec Venezuela. Venezuela était sous sanction, le régime était sous grosse sanction, il demandait toute compagnie américaine de sortir de Venezuela. Mais comme on entend qu'il joue notre opposition avec le gouvernement Maduro,
entente là n'est signée au Mexique, États-Unis dit chevron, ok, d'accord, ou t'as tourné dans le pétrole Venezuela. Mais tout le monde connaît que ces jours-ci, les États-Unis ont besoin de pétrole Venezuela. Venezuela a même besoin comme Américain, puisque quelque part, il n'a jamais joué nos sources alternatives. Parce que côté situé, il n'a pas capable de vendre la Chine pétrole. Là où il n'a pas besoin de pétrole, là où il n'a pas acheté pétrole. Mm-hmm. Bon, mais là, avec pétrole là, il y a réserve là en bas terre. Il n'a pas qu'un investissement, il n'a pas qu'un vendeur, il n'a pas qu'un acheteur. Mais Venezuela, je suppose, bien content, ne fait pas que demander le FEA, qui sont en tant que politique entre opposition et gouvernement, pour avoir les États-Unis un prétexte pour débloquer cette situation. Sanctions, ça au service. C'est mener au non-coin quand on finit par accepter une proposition que vous faites. Je dis à là, ça fait à peu près 2 ans depuis la communauté internationale, là, les États-Unis en tête, mais toute reste communauté internationale, là, Abdi Haïtien, entre nous, je n'en entends. Entre nous, je n'en accorde. Entre nous, proposons solution haïtienne. Entre nous, faut faire de route. Bon. Nous allons le faire. Je dis à la, nous tomber dans la sanction. T'as compte 6 mounes qui n'ont pas fait de voile et qui ont puni. Malheureusement. Ça ne va pas dire sanction qui ni moun qui baillent avec raison, non. Ni que pour savoir sanction, on fait le vrai, non. Sanction, c'est tout simplement un instrument politique pour une barrière ponctuelle. Mais, Fon Duval, position gouvernement, je vous dis à la ministre de la Justice AIA, souligné que il va demander liste, et pas seulement liste, mais il va demander ça déjà, mais pour qu'il y ait plus à faire sous dossier. Quelle position gouvernement haïtien, puisqu'on n'a pas de réputation, supposez que vous prenez sanction ça, et ce n'est pas contre des gens, je vous dis, attends, comme moi avant, c'est des gens qui représentaient un poste assez élevé dans le pays, qui était président du Sénat de la République, qui en action, qu'on le veut ou non jusqu'à peut-être fin année, et que c'est des anciens mouns et n'a pas eu de réputation, qui sont où bon, en position gouvernement. Le gouvernement, c'est encore plus grave. Gouvernement, c'est qui l'a aujourd'hui, Ariel Henry, c'est un monde qui m'a dit, c'était des membres de gouvernement Ariel Henry. Ça montre dans qui point que sanctions sont instruments liés, oui. Et que li pa ni pour ou ni contre ou, li ka frappe ou n'importe qui l'el ka frappe n'importe qui est. Le gouvernement fait résistance, li pa change munition, et bien sous Magic 9, M. Stroma revient, il fait interview, mm-hmm. Et dans l'interview, il dit que, eh bien, votre gouvernement a décidé ça l'a faire avec Mamio. Li pa dit que oui, un tel sanction contre lui, non, mais il te confirmé que des membres du gouvernement frappé par sanction, et quelques jours après, le gouvernement obligé de faire un remaniement. Tout ça pour dire que, même gouvernement en place, ça a frappé n'importe qui là avec sanction. Moi, les déclarations d'un nouvel essai quantique sous ça, nouvel ministre de la Justice là, qui dit que le Parlement du Canada qui s'est gagné sanction, bon, nous avons toujours demandé. Canada a bail, il a pas bail, parce que moi, je peux dire comme pique, son bail politique que juridique, mais en même temps, tout le Canada a dit gouvernement, je ne comprends pas si vous demandez une sanction, vous commencez à faire sanction, ou nous commençons à chercher la petite bête. Gouvernement en opposition très délicate avec demande qu'a fait communauté internationale là, parce que j'ai l'impression que le gouvernement Ariel Henry a depuis septembre l'entrée en logique, qui s'était demandé sanctions, demandé déploiement forces spécialisées armées, et puis depuis lors, il va comme ça pour le faire. De fait, pour le ministère, pourquoi j'aime parler encore depuis l'épisode ça. Je dis à là, le gouvernement a une clarification pour le bail, ou bien une confirmation pour le faire dans demande Léo. Parce que temps passé et le conseil de bagaille qui n'est pas fait et comme notre relation à même de côté pas, elle n'a pas avancé. Avec précipitation peut-être, avec légèreté comme disent certains, mais pour le moment elle n'a pas avancé. Et les gens qui frappent, ils ont fait silence, ils n'ont pas dit rien. Il y a des gens qui commencent à dire après avocat, mais en réalité, les gens qui frappent, pour le moment, ils ont frappé. Mais il faut ne pas le créer une sorte de pause tout, puisque ça va regarder ces investissements, pas seulement au niveau direct étranger, je me dis, lorsqu'on a telle réputation ou telle position, ça, et la difficile pour les gens venir investir là, quand on dit, bon, pourquoi ça va investir là, on va investir de l'autre côté. On va regarder ça, la réputation. Mais même au niveau local, tout, parce que suspense que ça crée, suspicion que ça crée, est-ce que ça va le dire, moi, j'aime pas qu'on ait, donc pas d'investissement qui va venir. Oh, nous avons une liste là, avec DGI fait gros et bail pour demander mon yoa, vous êtes pour moi, et tu es capable de déclaration définitive d'impôt, vous avez dit DGI, mais c'est un cop là tout. Donc, si pas gagné assez cop cap vini, donc nous avons 4 années consécutives de contraction économique, donc ça a lui-même, environnement politique là, qui vient avec éléments ça, nouveau ça, et en économie, comparé à l'attente rationnelle,
Il dit que si gagne un doute, si gagne pessimisme, ça pas encourager investissement. Donc ça presque capable bloquer l'économie en tout. Ça cap développer dans l'environnement politique là. Alors il y a deux bails qui passaient dans ce matin et matin, nouvelle sur territorial qui dit que les sanctions canadiennes donnent le ton. Nouvelle dit ça parce qu'il y a deux bails qui passaient depuis ce matin. Nous dimanche c'était tout donc dans ces sanctions nous sorti mais jeudi nouvelle sur une information que le joint de côté secteur privé des affaires en Haïti. Vraiment, au plus haut niveau, les plus grands acteurs du secteur privé, et là, on va parler de monde qui est dans l'association, non? On va parler à la fois de monde qui est dans l'association, mais monde qui vraiment gagne entreprise et les plus grandes entreprises, gagne qui est dans le contrôle entre eux, gagne qui est des différents entre eux. Et bien, je dis à là, tout le monde a parlé entre eux, parce qu'il y a une qui est dit dimanche, c'est la prochaine liste là, il y a des hommes d'affaires là-dedans. Alors, les hommes d'affaires, on a dit, fait ça pour faire. Pour joindre une proposition à faire à la communauté internationale et à faire au pays pour nous qui j'en a sorti dans Maras que nous y là. Parce que 4 ans quasiment de croissance négative, l'on a ajouté sous lui depuis avant, parce que quasiment depuis 2014, croissance s'est diminuée, l'a diminué. Mm-hmm. Il était positif toujours, mais c'est diminué, l'a diminué, jusqu'à ce qu'il vienne passer négatif, jusqu'à ce que je dis à là, il installe le négatif. Eh bien, homme d'affaires, ça y est tout. Quel que soit Jean Virel, qu'est-ce qu'il a fait? Si vous avez fait $100, vous avez fait 98. Si vous avez fait 98, vous avez fait 95. Si vous avez fait 95, vous avez fait 90. Yo même tout, yo senti que les choses qui ont passé dans le pays là, qui pas en faveur les affaires, qui pas en affaires leurs affaires, et tout qui a fini avec la réputation du pays. Deuxième, ça a passé toujours cette semaine, fin de semaine. Eh bien, un regroupement politique qui était là-dedans, des acteurs qui ont été frappés par des sanctions. Eh bien, bon, notre qui sortit, qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons cacher d'avant encore comme acteur politique. Est-ce que c'est politique qu'on y a fait? Est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que c'est une sanction tout le monde par allié politique ça? Je ne pas dit moi-même, depuis que je suis politique en Haïti, un, c'est la première fois que mon niveau ça a frappé, ancien président. Par exemple, il y a un président qui a des sanctions. Par exemple, il y a un président parlement en activité qui a des sanctions. Il a arrêté le président parlement ici déjà, oui. Mais ce n'est pas pour sanctions. Genre, sanctions, ça a tombé là. Et sénateur en fonction, ministre en fonction, tout le monde a frappé par sanctions. Et bien, c'est la première fois, maintenant, au niveau d'autorité, ça a frappé par des sanctions. Et c'est la première fois, tout le monde, des acteurs secteur privé, convaincu, son mouvement a commencé depuis juillet, mais qui a continué que mon secteur privé, ouais, ça a fait. Là, on va continuer à faire comme ça. Je vais retourner sur le parti, c'est extrêmement important à savoir le parti secteur privé. En fait, Gontruit qui vraiment secoué le pays, et là, c'est ça. Est-ce que le Canada qui a annoncé ces sanctions, hein? Il y a des gens qui disent, ah bon, le Canada. Et même les fanatiques Brésil qui disent, Coupe du Monde, c'est jeudi, il a commencé. Parce que Brésil peut jouer. Tout le monde a fait avoir un peu de blanc. Est-ce que l'Américain lui-même, parce que très souvent tout, le cas de sanctions, le Canada n'est pas vraiment le principal partenaire d'Haïti dans ce qui est d'activité, même au niveau de finance, et pas financement, non, d'investissement. Donc on est deux côtés unis, les République dominicaine avec les États-Unis bien sûr. Est-ce que c'est vrai que du côté des Américains, il y a un back-up canadien sous sanctions, il dit bon, je marche dans ça à tout. Pour son tweet que Brian Nichols, qui est sous-secrétaire d'État pour l'hémisphère occidental, l'a fait, côté que le deal, remercier Canada pour sanctions que le Brian et que les États-Unis bien contents de ce qu'il a fait. Est-ce que les États-Unis avec le Canada vont match ping-pong ou bien son stratégie bébé tout au Mario, bon boulala, moi pour le bon moi là, on va avancer dans ce sens-là, moi je vais dans telle direction, on verra. Mais ça me dit, autant le Canada qu'un gros acteur dans ce qu'il a passé en Haïti, mais autant Canada, ça l'a fait là, il peut entrer dans l'autre liste. Parce que bon l'autre liste qu'a préparé. Bon liste que les Nations Unies a préparé. Les Nations Unies ont lancé appel d'offres pour employer 4 experts qui ont même chargé de rédiger la liste des acteurs haïtiens à sanctionner. Il y a un travail ça qu'a fait là-bas dans le palais au niveau des Nations Unies. Côté que bon liste qu'a mis sous pied, par contre critérios, par contre sous qui base appel, par contre qui délai la prendre publique. Mais, mon qui connaît dit, avant 10 décembre, l'histoire prend la rue. 10 décembre, son date qu'il y a avec la question des droits de l'homme,
Mais avant 10 décembre, l'État prend la rue parce que la communauté internationale là, qui échouait dans faire face à l'armée à Vini, parce que pour le moment, la résolution ça va jamais retourner encore en discussion devant le Conseil de sécurité, et bien, la cherchons l'autre arme, la cherchons l'autre moyen, la cherchons l'autre instrument pour le peser sur la politique en Haïti. Ok, on retourne sur la grande surprise, lors de la tweet ça, que y a des acteurs lourds qui décident de mettre tête ensemble. Alors, on dit, il n'y a pas de jamelin, ouais. Et une union du côté du secteur privé, parce que le secteur privé dominicain a fait ça, il y a des désordres faits du côté du secteur politique. Le secteur privé a frappé pile à toute l'église catholique en République dominicaine. Il y a un petit gros changement, il y a plein de gros crises qui ont gagné dans l'élection Balaguer. Après, il y a eu ça, ce qui n'est pas qu'on a eu dans le secteur privé, pas nous. On essaie de garder quelques hypothèses, est-ce que c'est dit ou pas dit quoi, que pas simplement il y a investi dans le pays. Mais il y a un cas qui est plus important, et je connais que les Américains ont très chaud dans la parole, ça a particulièrement l'affaire fiscalité. Il y a payé impôts, il y a pris du contrebande. Ou pas aucune fuite, est-ce que c'est des bagages comme ça qui parlent tellement lourd? Il y a plusieurs pistes. Ok. D'abord, il faut retourner sur ce qui passe en juillet-septembre. Juillet-septembre, il y a un regroupement d'hommes d'affaires qui partent des membres d'association, mais même si on a une association, ce n'est pas comme une association était signée notre là, mais avec des noms vraiment très. D'artistes connus dans le secteur économique en Haïti, qui sont en ordre pour la première fois. Ils mettent des noms, non pas eux, ce qu'ils n'ont jamais fait, et ils disent eux-mêmes, ils disent deux, trois bagailles. Ça, ils disent, un, il faut que tout le monde d'accord payer taxes et frais de douane. Mm-hmm. Enfin, et soit de la douane, il faut bailler, soit de DGI, il faut bailler. Homme d'affaires, ce niveau, pour que j'aime dire ça en Haïti. Deuxième, ça, ils disent, il faut que le terrain politique là aplani. Pour nous faire une élection normale, mais il faut qu'on nettoie l'agenda qui est fait au niveau politique, parce qu'il y a des acteurs qui monopolisent le ballon. Et ils disent tout, ils peuvent accompagner le gouvernement haïtien jusqu'à la fin du processus là, qui pour mener nous à des élections, les meilleures qui soient. Là, notre soir film sorti, nous venons tomber dans le cas de Chobombe, gaz monté, pays log. Manifestation, business crasé. Mais aujourd'hui, alors, nous avons dit son deuxième étape qu'a fait. Il y a des gens qui étaient dans le premier texte, qui étaient signataires le premier texte, qui rejoignent d'autres gens qui parlaient quasiment dans le même sens. Mais en plus de ça, il y a une chose qui a travaillé qu'a fait, de l'information que nous voulons joindre, c'est de proposer ce que le secteur privé a proposé depuis des années. Je pourrais pas me donner un document de ce genre. Il les propositions pour le progrès, c'est l'année 90. À Clèd. Non, avant Clèd. Bien avant Clèd. Bien avant Clèd. C'était qui ça? Oui, tu as raison. Donc, les gens qui sont dans le secteur privé, qui ont un portefeuille, là, entreprise PIA, mais bon, matin privé, il faut qu'ils disent, mais qui gère ouais, pour payer à ta fonctionner. Ce n'est pas que payer pas fonctionner comme ça, non. Mais au moins, il faut qu'ils aient une opinion, il faut qu'ils essayent de guider les politiciens pour aller en côté. Qui est différent de côté nous parler là depuis ces dernières années. Parce que ces mêmes politiciens, ces mêmes hommes d'affaires, ça a financé deux gouvernements PHT, quand ils sont passés là. Mais c'est eux-mêmes toujours dire qu'ils voient que la gouvernance ça va mener nous loin et que faut qu'il y a changé de gouvernance. Moi, je connais qu'on travaille de réflexion globale qu'on fait sur qui route pour l'économie pays à t'apprendre. On est vraiment de faire travail ça. Malheureusement, les Michel Mavili monté comme président pas suivre le travail qui était fait. Mais. C'est toujours nécessaire, et même ça dans l'émission, quand on a prêché ça depuis des années, il est bon de plan d'affaires pour le monde qui s'en fait faire payer. Parce que gagnant, c'est pour un projet de société. Mm-hmm. Nous, on subit loin, mais c'est pour un projet de société. Je dis à la, nous tous fermés des murailles, fermés des portes, fermés la caille, ou bien partie, ou bien. C'est pour un projet de société. Le pays n'a pas qu'à continuer à fonctionner comme ça. N'a pas de vacances là dans le monde, mais d'ici janvier, on connaît le problème, on va le tourner sur nous, avec encore plus d'acuité. Je dis à la, il faut qu'Haïti joue des interlocuteurs, il faut jouer nos paroles, il faut jouer nos plans, pour le tourner côté bailleurs de fonds internationaux, pour dire que nous sommes 4, 5 ans, 6 ans là, que nous refusons quasiment tout fonds important. Nous avons 5, 6 ans là, depuis avant le président Jovenel Moïse monté, côté que Haïti, totalement déconnecté de tout projet sérieux. Eh bien, moi, je crois que, faut le secteur privé, il faut qu'un secteur politique, d'accord, il faut que nous cherchions l'autre route.
Mais dis-moi, échiquier politique là, et ça, ce quoi là, et avec différentes autorités, ça a eu, que tu es sous pouvoir, mais pas sous pouvoir, et bon, nous ne connaissons pas, comme Haïti, son pays spécial, tout, est-ce que mon ça a eu, capable de retourner encore là? Non, il faut me dire ça clairement, il faut me parce que ma bonne dit, encore, ça a fait là avant tout, c'est politique. On te propose de faire la route à droite, ou dit non, ça à gauche, vous voulez passer. Vous bouchez juste à gauche là, et bien, l'on décide à la droite là, vous êtes bienvenu. Parce que pas comment la communauté internationale, là, je le sais avec Haïti, et je le sais avec tout le pays qui semble nous. Les gens lecture fait de situation, il y a des solutions qu'on propose. Si on dit une solution, vous proposez, non, pas comment telle la solution. Ok. Et nous voyons ça ces dernières années. Le président Jovenel Moïse, je crois que Gampil Bay était proposé, ce n'est pas quoi, bon non, mais il était légitime, il était élu, il était proposé. Il dit ok, vas-y. Mais comment on arrive tout ça proposé, il a échoué. Eh bien, il a dit, mais qu'on y a vu ou pas. Le président Moïse, il a dit quasiment tout pouvoir que c'est Nafarel. Nous écrit ça dans la nouvelle liste. Comment on arrive en janvier 2020, par les chambres députées, Sénat amputé, président a tout pouvoir pour diriger par décret. Et puis qui ça le fait? Il n'a pas réussi à faire grand chose. Pompé, il n'a pas réussi à faire grand chose. C'est ça. Pompé, il a battu l'estomac et tout. Que il a une dépendance qui s'ouvre et tout. Donc, échiquier politique, là, c'est oui. Pas le monde de York qui supposé changer le pour nous. Ça me donne comme un conseil pour ça. Il y a un petit offert, et puis on m'a décrivé, nous devons l'évidence que nous ne pouvons pas faire. Ariel Henry, c'est la même chose. Ariel Henry a les mains libres pour le faire salver. Mais qui ça le réussit à faire? Pas grand chose. Mais je dis à la il y a d'autres acteurs qui prennent par l'armée. Malheureusement, souvent, acteurs, ça va pas bien pour Haïti. Parce que Haïti a, peut-être, dire tout jonglé son pays compliqué. Des fois, comme le international, tout le pas venu pour tout ça. Et comment c'est pour un bout de chemin avant, on joue matin, mettez par là, tel, il dit une fête assemblée. Et quand il dit une fête assemblée, encore une fois, il y a. On prend un échiquier économique là, qu'on y a là, puisque Gédéba est annoncé, mais est-ce que. Échiquier économique là, pas ta besoin et tout, un nouveau souffle. Parce que quand même, ne pas cacher ta tout, on a pointé du doigt, c'est même politicien, ça a été là depuis 86 à nos jours. Est-ce que pas une réflexion pour faire une nouvelle vision pour dégager? Je regarde des semaines ça là, et en Chine, côté que, où est-ce que les forces comme c'est là, produit et iPhone. 200 000 personnes qui travaillent dans Rababdi, long espace en Chine. Non, ils ont une prison. Oui, Fonds. Parce qu'ils ont tout dormi, ils ont tout vivre. Vous imaginez si vous avez 200 000 personnes, pas pour un côté, non pour 10 départements. Et pour qui ça me dit ça, c'est parce que sous-traitance que nous avons fait là depuis les années 70, et me fait des débats en radio, ça, à côté, me dit des gens qui parlent de sous-traitance, oui, et des maillots, et nous avons fait des marches pour le côté congrès américain. Est-ce qu'on va supposer graduer sous traitance noire tout pour nous sortir avec bail tête fait mal salaire minimum très bas niveau et je dis obtenir mon cap dou combien cob yo payer et galon gasoline nan et bien payer et transport parce que mobilité est extrêmement important par rapport à salaire minimum nan est-ce que pas un coup de balai pour ta fête là tout pour nous commencer à changer réflexion pour connaître bac moi des petits sous traitance moi te connais la faire l'autre bagage que maillot baseball. Nous tenons pièce électronique. Nous tenons pièce électronique. C'est l'année en certain moment. Sylvania est en Haïti, nous avons fait pièce électronique. Nous avons fait balle baseball. Nous avons fait des bagages qui ont une valeur ajoutée plus importante que Mayoa. Tout comme. Pendant que pièce électronique, bon faut tirer tout là. Je vous dis à la microprocesseur que Taïwan a fait, qui domine le marché américain. Nous avons parlé de diversification. Américain. Après, au lieu de me retenir que je m'apprends, c'est le plus gros marché dans le monde. Imaginez si Taïwan était en face, tu es en place non là, je vous dis, ça t'a dit. Bon, alors, comme nous, nous sommes toujours bien entendu dans la sous-traitance. Mais nous sommes même dans la sous-traitance, côté que nous avons des ouvrières, la plupart du temps, parce que c'était pioté. Nous avons au travail, nous avons la caillou. La factory n'a pas même besoin de mu. Mais nous avons travail, nous avons. Équipement, des bons matériaux, et puis avec dextérité, on peut faire marchandises pour te le donner, même exporter. Nous avons exporté, faire découper, nous avons exporté des produits artisanaux. Mais je dis à la, à chaque fois, et la crise n'a frappé nous là depuis 2018, tu as les conséquences. Nous avons passé à Mangoa, qui prend coup parce que l'inspecteur du département de l'agriculture des États-Unis, pas qu'à marcher à l'inspecteur, pas qu'à marcher à l'inspecteur de l'agriculture. Eh bien,
si ça continue d'ici janvier, on ne va pas vraiment aux États-Unis. Nous avons perdu un bon palier que nous avons déjà fini de monter en faveur d'autres pays. Mais le refrain cyclical qui fait seulement en Haïti, je dis, elle fait au Pérou tout. Nous avons toujours connu comme fierté que ce soit le site qui voulait lever. Mais l'agriculture, son bagage scientifique lié, il a analysé, il a greffé, il a mélangé, et puis il a fini par faire un bagage qui semble avoir là. Il a vraiment marché en amont. Et là, il a vraiment marché en amont. Comme il a même mieux organisé que vous, comme il a mieux fait de plus grande surface que vous, malheureusement, à chaque fois, nous échouons. Bref, classe économique, nous, aujourd'hui, il a voulu comprendre ça tout. Moi, Marco Rubio, qui est venu en Haïti, ça fait peut-être 3 ans, qui rencontre le secteur privé, qui rencontre tout le monde, qui dit avant même que ça passait avec la Chine, passé, que les États-Unis voulaient supporter Taïwan, et demander Taïwan pour Taïwan retirer l'usine que la Chine continentale pour chercher l'autre côté pour le mettre. Il y a plus d'un millier d'usines qui ont quitté la Chine dans les années à venir. Haïti, c'est un monde qui a recevoir l'usine ça. A dit fait des marches, a dit à Taïwan, des choses à Taïwan avec a dit, nous parlons à tout le monde, mais il suffit que les usines viennent installer en Haïti, et puis nous parlons au pays long. Mais qui s'est passé? Parce que tu l'as travaillé. Sous cette instance, pas qu'on a campé tant de pays qui ont fait des ordres, tant de pays qui n'ont pas de gaz. Sous cette instance, pas qu'on a campé tant de pays qui n'ont pas de courant. Malheureusement pour nous, secteur, ça a été des secteurs. Je ne dis pas d'avenir. Je ne dis pas qu'il y a un bon travail. Mais il se trouve que jusqu'à présent, malgré tout ce qu'on peut dire. Et moi, je dis toujours ça, moi, on a met, et puis moi, au caille. Loi, on a met, ou à son ville qui a bougé. Loi, au caille, qui s'est payé, qui s'est fait, ou à au caille, on t'y a campé. Mais, il y a 45 000 personnes qui travaillent. 45 000 personnes qui travaillent, on l'autre réalité, les gains. Bah, on est au cas peut-être gain 2000 personnes qui travaillent formellement. Il se trouve que le premier pensée, il faut accepter de faire. Si on va le faire dans la sous-tétance, c'est même qu'on a décidé de faire dans notre bagaille. Au cap, saut de vivre pendant l'été, il y a une plus belle été qu'au cap vivre. Parce que Port-au-Prince va te cafeter. Au cap faire dîner en blanc, au cap faire couche bateau, au cap faire fête sous boulevard, au cap fêter 350 ans, au cap faire une belle mois d'août. Et puis en septembre, on va caser. Je dis à la maison pour me gaz, on va mettre gaz là-dedans pour vendre gaz. Parce que nous allons caser pour me gazoline. Eh bien, voilà une zone touristique, remplie de potentiel, que nous ne pouvons pas fonctionner. Nous ne pouvons pas quitter le fonctionner. Nous capables de sous-tendance, j'aime dire. Mais on fait touristique là. Mais nous ne pouvons pas touristique là non plus. Parce que toujours un monde qui estime que, comme ce n'est pas le cas, comme là, plutôt le gâter pour personne ne pas faire. Alors que le principe fait comme là, c'est que là, mettre hôtel là, il fait comme, mon travail qui a fait ménage au joint, mon qui a fait manger au joint, mon qui a fait agriculture au joint, côté pour vendre des produits, et comme là, circuler dans toute économie. Là encore, malheureusement pour nous, chambre de commerce, par outil assez, pour vendre l'idée que investissement nécessaire, protection investissement nécessaire, partage richesse nécessaire, créer valeur nécessaire. Qu'est-ce que faire? Elle m'a pas dit là comme c'est pas pour faire ma journée. Son affaire, quoi faire nous-mêmes, 86, 87. Eh bien, qu'est-ce que faire? Vous trouvez qu'il y a l'autre pilote monde qui rejoint nous dans son affaire? Et que pour nous faire passer l'idée que, eh bien, même j'aimerais mes musiques, il faudrait mes investissements. Voilà que je dis à la moi, je me dis que tu as ticket, mais mon bal, on va pas jouer en Haïti pour faire un reportage sur lui. Si tu as besoin de faire un reportage, on bal, il faut le bâtir. Alors qu'on a dit nous sommes pays touristiques, nous sommes pays culturels, nous sommes pays plein talent. Donc l'agenda. Par contre, ça ne gagne parce que personne ne va le planifier et qu'un investissement de faire jazz vini pour un jour soir, on va faire bal là. Pour finir là, donc, ça dit là, on modifie le babon, avion crash, il tombe plat à terre. Et puis, pour me créer une classe moyenne solide et des salaires réellement intéressants et compétitifs, parce que les salaires pas bon, c'est tête chargée que le bas. On leadership social également, comment pour nous vivre, pour nous gérer les conflits, s'il y a des problèmes. Donc, c'est un rebrassage total. Oui, là, pendant la terre, pour nous avoir. Et là, moi, qui inquiète moi, je cherche le livre là, je cherche la thèse là, je cherche l'article là, qui est-ce qui propose un lot à Haïti. Honnêtement, je ne suis pas jeune.
et je travaille dans le domaine médiatique. Je travaille en nouvelliste. En principe, si vous avez une parole pour le dire, vous avez une dimension. C'est une autre inquiétude que j'ai, c'est que ce plan d'affaires, cette proposition, on dit qu'on lise d'épicerie de 20 bails que vous faites. C'est pas qu'on parle, non? Mm-hmm. Qu'on met la route parce que nous n'avons pas réaliste. J'en dis à la secteur privé, à kage tout défaut, mais tout j'en recommencer à savoir, vous recommencer. Banque nous, à kage tout défaut, mais tout j'en savoir, vous recommencer, puisque déjà là, vous connaissez ce qu'il y a de milieu, que personne ne va pas venir battre là-dedans. Mm-hmm. Peut-être avec de nouveaux comportements. Voilà. Mm-hmm. Sauf que vous avez plus pour faire. On l'autre bagaille pour impulser dans l'économie. Je dis à la banque, nous vivons transition. Transition, c'est que le monde qui a créé la banque commerciale yo, au début des années 80, quand on émergeait, de nouveaux banquiers paraissent avec de nouvelles propositions de solutions.